Ça y est, je sais ce que je veux. Ok, qu'est-ce que vous prendrez? Un steak, s'il vous plaît. Et vous voulez quelle cuisson? Bleu, je vous prie, et un verre d'eau sans glace. Ça arrive tout de suite. Charlie, c'est bien ça? Ouais. C'est assez inhabituel pour une fille. C'est ce qu'on dit. Je vous apporte le verre d'eau. Quel bon vent vous a conduit par ici? Oh, nous étions en route pour Scottsdale, mais on est tombé en panne et on est coincé ici le temps qu'on répare la voiture. Vous parlez d'une tuile. Dites, Gladys, les lignes semblent être en dérangement dans le secteur. Plus de téléphone, de télévision, et je me demandais si vous pouviez avoir entendu quelque chose en chemin, si vous aviez des informations sur ce qui se passe. Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça, mon cœur. Tout sera bientôt fini. Excusez-moi, dis. Alors, bah en fait... C'est quoi le diagnostic? Je sais pas. Oh, le père doit être vraiment fier. Aucun moyen de le savoir. Il est loin des yeux, loin du cœur. Je vois. Alors j'en déduis que vous n'êtes pas marié. Non. C'est dommage. Non, je préfère rester comme ça. J'ai pas besoin qu'un homme me dise ce que je dois faire. Comment vous allez faire avec le bébé? Je contrôle la situation. Mais ça va brûler. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que ton putain de bébé va brûler. Tous ces petits bébés vont brûler. Oh, oh, oh. Gladys. Ta gueule, espèce de vieille pute. Tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre, te plaindre, te plaindre. Quoi? Quoi? Non, quoi? Non mais qu'est-ce que vous venez de dire? Non, je sais pas pour qui vous vous prenez, mais j'attends que vous présentiez des excuses. Vous allez tous vous faire... Putain, c'est quoi ce bordel? Tu ne pourras jamais la sauver.